Bon bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette petite capsule pour vous avertir que je reprendrai eh bien, les messages journaliers à partir du 23 janvier 2023. J'ai besoin de me ressourcer, de prendre du temps pour moi car eh bien, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2022, a été une année un peu compliquée, un peu éprouvante pour moi et peut-être pour vous aussi, n'est-ce pas? Nous vivons évidemment des situations, vous comme moi, pas toujours faciles. À différents, n'est-ce pas, niveaux, bien sûr, hein, et cela n'est pas facile. Et aussi, je dois vous dire que j'ai eu quelques petits soucis de santé. Il est clair que dans mes capsules, je n'en dis rien, n'est-ce pas, et ne laisse rien paraître, mais voilà. Il y a eu quelques complications de santé. Et puis tout ça, ben ça fatigue. On a besoin de se ressourcer en tous les cas. C'est pour ça que moi, j'ai pris quelques semaines fin ce mois de janvier parce que j'en avais besoin et que j'avais besoin de me retrouver aussi. Vous voyez, je suis pas un ange, je suis un être humain avec les expériences que nous faisons dans la vie, que je fais dans la vie, comme vous, on est ici pour expérimenter et puis ben, on expérimente peut-être des choses qu'on ne devrait pas, on prend des décisions qu'il ne faudrait pas, on n'écoute pas sa petite voix, enfin bon voilà, moi c'est surtout un problème de santé, donc quand je dis il faut prendre soin de soi, mais à tout niveau, n'est-ce pas, que ça soit mental, que ça soit physique, c'est vraiment à tout niveau prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on prend soin de soi qu'on est égoïste, n'est-ce pas? Ne confondons pas l'égoïsme et prendre soin de soi. Enfin voilà, je voulais vraiment vous prévenir parce que bon, vous êtes quand même une grande, beaucoup de personnes dans ma communauté. Et beaucoup de personnes qui me suivent. Donc voilà, je voulais juste mettre en lumière le pourquoi du comment je me prends quelques semaines de congé, oui, congé de vous. Mais cela ne m'empêche pas de travailler pour moi, n'est-ce pas? Voilà, je suis toujours dans les méditations, le travail, le développement de soi, ce qui est très important, c'est ce que vous retrouvez dans les capsules journalières, hein, le développement de soi, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je rencontre toujours les mêmes problèmes, pourquoi je fais toujours les mêmes erreurs, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut développer et qu'il faut penser et puis rectifier, hein, rectifier quelquefois les décisions qu'on prend. Ça doit nous servir de leçon lorsque ce n'est pas la bonne décision que nous avons prise. Ça doit nous servir de leçon, mais encore une fois, c'est un échec, oui, je le conçois quand ce n'est pas positif, mais dans le fond, ce n'est pas un échec parce qu'on a appris. Et apprendre, ben, c'est avancer. N'oublions pas qu'on est revenu ici sur Terre pour améliorer, n'est-ce pas, les qualités et les vertus et pour nettoyer, transcender les distorsions que nous avons dans cette vie, mais pas que. Parce que nous sommes revenus ici sur Terre avec un bagage, ce que nous n'avons pas nettoyé dans les autres vies, eh bien nous avons ramené les valises. Donc c'est vraiment, vraiment un travail
de nos vies antérieures et de notre vie ici, ici-bas. Voilà, je vous souhaite encore une belle année et surtout, 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 une belle santé. Prenez soin de vous, dans la douceur, vraiment en douceur. Aimez-vous, faites ce travail si vous n'êtes pas encore arrivé à vous aimer. Parlez à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, si vous êtes un homme. Réconfortez-la, réconfortez-le. Reprogrammez ce que vous a inculqué, les croyances limitantes. Donc tout ça, c'est vraiment un grand processus de développement de soi, n'est-ce pas? Allez, j'arrête ici. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, encore une fois, dans la douceur. Et puis on se retrouve eh bien, le 23 janvier 2023. Et d'ici là, aimez-vous, riez, profitez de la vie, soyez positifs. À tout bientôt.